Donc nous sommes aujourd'hui dans la rue artificielle, qui est une des plateformes de l'entreprise StreetLab. Et StreetLab a été créé en 2012 en étroite collaboration avec l'Institut de la Vision et l'Hôpital des 15-20. Et l'entreprise a été créée pour accompagner les entreprises qui développent des produits et services visant à améliorer l'autonomie et la qualité de vie des personnes déficientes visuelles. Aujourd'hui, l'activité de StreetLab tourne essentiellement autour de la réhabilitation et également de l'évaluation du bénéfice thérapeutique. Et pour mener à bien ces différentes activités, en fait, on met en place des protocoles de recherche dans lesquels on demande à des patients de réaliser des tâches inspirées de la vie quotidienne qui permettent d'évaluer les patients de manière globale. Pour ce faire, on travaille avec une équipe pluridisciplinaire à StreetLab et en étroite collaboration également avec l'hôpital des 15-20. Et nous disposons également de plusieurs plateformes de tests, comme la rue artificielle dans laquelle on est aujourd'hui. Et l'intérêt de ces plateformes de tests est qu'elles nous permettent en fait de mettre les patients dans des environnements en fait réalistes, donc en situation écologique, et également dans un environnement qui est contrôlé. On peut contrôler l'éclairage, le son, tout ce qui est aspect visuel, etc. Ça, c'est un point qui est vraiment essentiel pour nous. Et autre point qui est extrêmement important également, c'est de pouvoir évaluer de manière objective le comportement des patients grâce à un certain nombre de capteurs que l'on va pouvoir utiliser pour évaluer de manière objective la performance des personnes aux tâches qu'on leur demande de réaliser. Comment participez-vous à améliorer la qualité de vie des personnes ? Donc chez StreetLab, on développe des tests qui sont inspirés des difficultés et des retours des patients dans les tâches de la vie quotidienne. Et ces protocoles-là, on les mène en particulier sur des études en collaboration avec l'hôpital des 15-20. On peut aussi être amené à être sollicité par des industriels externes. Et dans ces cas-là, c'est les équipes internes de StreetLab qui s'occupent de développer et de monter le protocole en accord avec le client pour évaluer. Ça peut être différents outils qui aideraient à améliorer le quotidien des patients. Comment intervenez-vous dans les protocoles cliniques ? Donc pour utiliser les innovations thérapeutiques, en général, les sponsors ou l'hôpital des 15-20 vont venir solliciter StreetLab. Là, par exemple, si on veut être très concret, on peut parler du projet d'optogénétique. L'optogénétique, c'est une nouvelle thérapie qui permet de rendre sensibles certaines cellules visuelles à la lumière, alors qu'elles ne l'étaient plus du tout. Donc on parle de patients qui ont perdu la vue sur au moins un des deux yeux. Et grâce à cette solution, le patient peut mettre des lunettes qui sont très spécifiques, qui vont envoyer une lumière sur la zone de la rétine qui a été rendue sensible à la lumière et qui va générer au niveau cortical, donc dans le cerveau, une sensation visuelle, donc une nouvelle vision. Et en fait, pour que les patients puissent utiliser ce système, il faut vraiment que l'œil, qui ne voyait plus, réapprenne à voir. Et pour réapprendre à voir, il va falloir qu'on retrouve une nouvelle capacité à fixer, donc que l'œil comprenne que c'est cette nouvelle zone et donc ce nouveau faisceau lumineux que le patient doit fixer. Et ça, en fait, ça prend beaucoup de temps ça prend plusieurs séances en tout cas à comprendre. Et une fois que l'œil réussit à regarder bien droit devant, il y a une caméra qui se trouve au niveau entre les deux yeux sur les lunettes qu'il faut utiliser. Et donc apprendre à bien scanner l'environnement avec la tête. Donc on apprend au patient à faire des mouvements de tête et donc à réapprendre de nouvelles stratégies visuelles. Et en même temps, il doit apprendre à comprendre les nouvelles sensations pour décrire son environnement. Comment validez-vous les effets thérapeutiques ? Chez StreetLab, nous proposons un test de mobilité pour les patients atteints de rétinite pigmentaire. Ces patients-là ont des problèmes de restriction de champ visuel et ils voient de moins en moins bien au fur et à mesure que la lumière diminue. Pour tester leur capacité de mobilité, nous leur proposons de réaliser un parcours qu'ils vont réaliser d'une lumière très forte, par exemple en plein soleil l'été, à une lumière très faible la nuit. Lors de ce parcours, ils vont rencontrer des obstacles au niveau de leurs pieds et au niveau de leur tête, car ce sont des obstacles compliqués à détecter pour eux. Si nous utilisons ce protocole avant et après un traitement, nous pouvons alors mesurer l'effet du traitement sur leur comportement. De quelle manière sélectionne-t-on les patients ? Pour que l'on puisse proposer aux patients d'intervenir et d'être sélectionnés
dans une étude clinique, il faut déjà que ce patient ait l'habitude de venir au centre d'investigation clinique, au centre des maladies rares du CHNO des 15-20, parce que dans ce cas-là, le patient a régulièrement plusieurs tests pour son bilan et pour son suivi, pour le suivi de sa pathologie visuelle. Et grâce à ça, le médecin qui a connaissance des protocoles en cours peut du coup penser à un protocole pour lequel le patient remplit les critères d'inclusion. Alors au centre d'investigation clinique, ça peut aussi être les attachés de recherche clinique qui sont très nombreux à l'hôpital et qui peuvent aussi présélectionner certains patients et voir ensuite avec le médecin si ce patient peut conduire cette étude et s'il peut y participer. Et dans ces cas-là, on propose au patient, on lui envoie ou on lui remet une note d'information avec un consentement pour qu'il puisse vraiment savoir, bien comprendre en fait quels sont les objectifs de l'étude, quels sont ses droits et qu'il puisse savoir vraiment s'il a envie ou pas de participer. Et si c'est le cas, il signe un consentement et ensuite l'attaché de recherche clinique pourra avec ce patient planifier les différentes séances. Et donc en fait chez StreetLab, c'est aussi comme ça qu'on travaille avec l'hôpital des 15-20. On planifie après ensemble les visites qui doivent être faites à l'Institut de la Vision quand c'est nécessaire. Peut-on dresser un bilan de StreetLab ? On peut dire aujourd'hui que ça fait 10 ans qu'on existe, donc c'était pas à gagner d'avance, mais aujourd'hui on a développé une certaine expertise dans le développement des tests. On est une équipe d'une vingtaine de personnes avec des compétences variées. Et je pense que c'est ça qui fait une grande partie de la richesse de notre travail. Après, on a aussi la chance de pouvoir être à côté, enfin d'avoir un écosystème autour de nous qui est aussi vraiment assez exceptionnel, puisqu'on peut avoir à la fois les médecins, les patients, les chercheurs et l'Institut de la Vision, donc les plateformes de StreetLab. On a aussi, maintenant depuis 10 ans, beaucoup de patients qui nous ont aidés à développer tous ces protocoles et qui donnent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour qu'on puisse adapter les protocoles à différentes pathologies visuelles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir être dans plusieurs aires de l'ophtalmologie et travailler vraiment en collaboration avec les médecins, les équipes et surtout avec les patients qui sont atteints de déficience visuelle aujourd'hui. On est assez contents, on espère que c'est pas fini, quoi. Rétina France fonctionne avec vos adhésions, dons et legs. Pour soutenir l'association, rendez-vous sur retina.fr.